Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission Entrepreneurs. Nous allons parler bien évidemment d'entrepreneuriat, mais surtout de communication. C'est un secteur d'activité qu'on ne traite pas souvent en plateau. Donc aujourd'hui, nous recevons Madame Mélissa Waka-Mondé. Bonsoir. Bonsoir Sabine, bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous regardent cet après-midi. Alors merci d'être avec nous cet après-midi et de participer à notre émission. Alors vous avez une agence de communication. Est-ce que vous pouvez vous présenter et nous présenter votre agence, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Donc je suis gérante d'une agence spécialisée en communication visuelle depuis maintenant 5 années. Et effectivement, le but de cette agence est d'accompagner les professionnels dans l'élaboration de leurs projets de communication. Donc tout ce qui est projet publicitaire. Donc, nous mettons l'accent sur le fait de valoriser l'activité et d'accroître en fait la visibilité des clients pour leur permettre d'augmenter leurs ventes. Alors, c'est bien. En plus, vous êtes une femme. Vous avez commencé jeune quand même, il y a 5 ans. Comment ça s'est passé pour lancer votre agence? Alors, c'est vrai que les débuts n'ont pas été faciles, parce qu'effectivement, il y avait le facteur du jeune âge. Il y avait le facteur de la création d'entreprise, puisque je n'ai pas forcément toujours été bien guidée, bien orientée. Donc il a fallu effectivement chercher des informations de moi-même et puis mettre en place tout le projet, bien structurer les choses, bien commencer et de fil en aiguille se démarquer, faire ses preuves sur le marché, parce que ça n'a pas été chose facile. Mais en fait, j'ai fait de mon jeune âge un atout, puisque j'ai profité de cette période en fait pour faire énormément de formations. Donc, pour revenir un peu à l'origine, en fait, de mon idée d'entreprendre, c'était vraiment pour épauler et élargir le champ d'activité que proposaient déjà mes parents. Donc, je suis venue un peu en support à l'entreprise de mon père, qui est l'entreprise Style Déco, qui est quand même assez bien connue. Et j'ai décidé, effectivement, de proposer une nouvelle activité, si je puis dire, et de rentrer dans tout ce qui est création graphique, impression et tout ce qui est gestion des réseaux sociaux, donc communément appelé community management. Donc voilà. Donc c'est vrai que j'ai eu effectivement le soutien de mes parents, le soutien de ma famille, le soutien de mon époux, mais c'est vrai que ça n'a pas été toujours été chose facile. Aujourd'hui, effectivement, on accompagne pas mal de clients sur le plan local et sur le plan national. Et l'objectif en fait de l'agence, et comme je le disais tout à l'heure, de vraiment accentuer le fait sur l'élément sur le fait que on fait un accompagnement sur mesure pour chaque client, c'est-à-dire que chaque activité est différente, chaque secteur d'activité est différent, donc il est important pour nous de comprendre l'environnement de nos clients. Voilà. D'accord. Et quel est votre parcours professionnel, du coup, pour être arrivé là? Alors, j'ai en poche un bac plus 5. À l'issue de ce bac plus 5, j'ai décidé, après, de me spécialiser en création graphique, donc de me performer, en fait, sur les logiciels de programmation assistée par ordinateur, et donc sur 2 années. Et puis après, j'ai effectivement eu l'idée d'entreprendre qui me trottait un peu dans l'esprit. Ça fait un petit moment. Et à l'issue justement de tout ce parcours, j'ai créé Wicom Carré. D'accord. Ouais. Et à l'école, vous saviez déjà ce que vous vouliez faire comme métier? Dans quel secteur d'activité vous vouliez vous diriger? Alors, dès mon jeune âge, je savais effectivement que je voulais travailler dans la communication, mais l'idée n'était pas encore bien définie. Et c'est vrai que de fil en aiguille, les choses se sont un peu bien dessinées. Et puis, un jour, je me suis dit, là, je sais vraiment ce que je veux faire. Ce sera de la création graphique, ça sera dans le secteur, en tout cas, de la communication, puisque la communication, c'est vraiment un monde qui est vaste, qui est large. Et je me suis orientée vers cette partie-là, justement, et pour continuer, en fait, si je puis dire ça ainsi, l'activité, en tout cas, étendre l'activité de mes parents. Mais vous avez dit tout à l'heure que vous n'avez pas été accompagnée sur ce point. Qu'est-ce qui vous a manqué? Qu'est-ce qu'il a manqué? Qu'est-ce qu'il manque? Alors, à mon sens, et ça n'engage que moi, les informations qu'on reçoit, en tout cas, des institutions, ne sont pas forcément toujours les bonnes. Donc,
Après, bon, la réaction que j'ai eue, c'est effectivement de me retourner vers Internet, donc de chercher les bonnes informations. Par exemple, comment créer une entreprise de A à Z, quel statut choisir. C'est une question en fait qui revient souvent, mais à laquelle on ne trouve pas forcément les bonnes réponses. Les aides qu'il existe, quelles sont les étapes à suivre, les frais que ça aurait engagé, etc. Donc c'est vrai que moi, je trouve en fait qu'en tant que jeune entrepreneur, à l'époque, j'étais pas forcément encadrée. Après, peut-être qu'il y a de nouvelles institutions qui sont nées, il y a peut-être eu des changements en termes organisationnels, de la façon dont les choses se construisent maintenant. Mais c'est vrai qu'il y a 5 ans, j'étais un peu perdue. Et c'est vrai que j'ai trouvé l'information sur Internet, sur les réseaux sociaux, en demandant, c'est le bouche à oreille, voilà. Est-ce qu'au niveau des fonds, vous avez été accompagnée? En plus, vous êtes une femme, vous êtes jeune. Est-ce que les banques vous ont suivi? Alors, volontairement, je ne me suis pas tournée vers les banques. Et les fonds, ça a été les fonds propres et les fonds de mes parents. Donc, du coup, c'est vrai que j'ai essayé de me tourner justement vers les aides que proposait, par exemple, la région. Mais il y avait beaucoup d'éléments à fournir. La demande, ça prenait du temps. C'est compliqué. Voilà, moi, j'avais besoin de travailler, j'avais besoin de commencer, j'avais besoin de développer mes compétences. Donc, il fallait que je commence. Donc, j'ai trouvé un moyen de commencer. Voilà. D'accord. Juste une question. Pourquoi aux Antilles? Pourquoi vous n'êtes pas partie? Il y a beaucoup de jeunes partent. Justement, on aimerait bien savoir pourquoi, qu'est-ce qui a fait que vous êtes restée travailler pour votre territoire? Alors, depuis jeune, j'ai jamais voulu forcément partir. Et puis, il faut dire, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, j'ai eu l'opportunité, en tout cas, d'étendre l'activité de mes parents. Donc, c'est la raison principale, en fait, qui fait que je suis restée en Guadeloupe. Pour faire la transmission, la continuité. Exactement, sachant qu'il faut quand même partir, aller se former, etc., mais toujours dans l'optique de revenir. Est-ce que vous travaillez qu'avec des entreprises guadeloupéennes ou vous travaillez avec des entreprises sur d'autres secteurs? Alors non, on travaille avec des entreprises basées sur le secteur local, mais aussi à l'échelle nationale, parfois même internationale. L'accompagnement, comme je disais, on peut travailler effectivement en étant à distance. On a mis en place certains outils au sein de l'agence qui le permettent. Mais c'est vrai qu'on a des clients en Guadeloupe, on a des clients en France, on a des clients dans d'autres pays. Ouais. D'accord. Alors, vous nous avez envoyé des visuels, donc on va les regarder et... Franchement, moi, j'aime bien parce que c'est épuré, le style. Comment vous trouvez ces idées-là? Est-ce que c'est fait exprès que ce soit simple, pas très chargé? Alors, il faut savoir qu'en communication, pour exercer le métier que j'exerce, en fait, il faut avoir l'esprit créatif, il faut savoir quel est l'objectif de chaque visuel. Donc, ça, c'était un objectif propre. Donc, tout a été réfléchi. Donc, ça a donné, en fait, ce visuel aujourd'hui. Donc, d'accord. Sur ce visuel, on retrouve un peu les 3 pôles d'activité que l'agence propose et les coordonnées sur la droite. Ouais, vous êtes située à Sainte-Rose. On va voir les autres éléments que vous nous avez envoyés. Voilà. Vous travaillez seule? Vous travaillez avec plusieurs personnes, une personne pour faire les graphismes, une personne pour... Comment ça fonctionne? Alors, au sein de l'agence, on a une petite équipe. Alors, il faut savoir que je travaille en collaboration étroite avec l'entreprise Tildeco, qui est l'entreprise de mon père. Donc, je m'occupe effectivement de toute la partie création graphique, impression, toute la partie du community management. Et lui, il s'occupe de toute la partie... fabrication de banderoles, on fait le marquage sur véhicules, etc. Et c'est vrai que à nous deux, on forme une belle équipe, puisque je vois que, par exemple, que dans d'autres boîtes, chez d'autres confrères, il y a par exemple une personne qui s'occupe par exemple du façonnage, une autre qui s'occupe de la partie création graphique. Mais nous, on a la capacité d'être polyvalent et de gérer plusieurs choses en même temps. Donc, c'est vous qui gérez tout ce petit personnel. Comment vous les avez recrutés? Alors, on n'est pas,
on n'a pas forcément fait de recrutement, puisque chacun gère son bateau, comme on va dire. Ah. Donc, voilà. Donc, du coup, mon père a sa structure, moi, la mienne. Et ça se passe comme ça. Ça fait 5 ans que ça dure. Et ensemble, on a déjà quand même réalisé de beaux projets en Guadeloupe, à Saint-Martin, même en France. Donc, je souhaite vraiment que ça dure. Et j'invite justement tous ceux qui nous regardent ou tous ceux qui seraient intéressés à trouver justement, à se rapprocher de nous. Et ils ont ici les coordonnées qui s'affichent à l'écran. D'accord, même ça, hein, c'est sympa pour avec... Voilà. Des personnes, études du besoin, propositions adaptées sur mesure, conseil et suivi, vous êtes où? Alors, on est localisé sur la commune de Sainte-Rose, mais c'est vrai qu'on se déplace un peu partout. Et pour revenir justement au précédent visuel qui était affiché, je vais vraiment insister sur le fait qu'on accompagne les professionnels et les particuliers, et que c'est vraiment un accompagnement sur mesure. Étant donné que chaque secteur d'activité est spécifique, il nous faut comprendre l'environnement de ces secteurs pour pouvoir proposer des solutions adaptées. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Nous revenons vers vous tout à l'heure, mais nous allons partir sur Zoom où nous allons rejoindre Madame Christelle Diochaud. Bonsoir. Alors, est-ce qu'on a... Donc, on est en train d'établir la connexion. Donc, nous allons vous présenter une deuxième intervenante qui sort en plus d'une réunion et qui... C'est vrai qu'en Guadeloupe, on a beaucoup de Guadeloupéens qui font des projets. Donc, le temps qu'on soit connecté avec elle, est-ce que vous pouvez nous parler de la manière dont les idées vous viennent quand quelqu'un vient vous voir pour un projet? Comment ça fonctionne? Alors, on reçoit... les clients avec un rendez-vous d'une heure en général. Avant même de commencer, alors un petit avant peu comme de une commencer, consultation. Voilà, c'est vraiment comme un état des lieux, comme un audit en fait. Mm-hmm. Et on tente à travers cet entretien de connaître le client, de comprendre ses besoins, de comprendre son environnement, ce qu'il souhaite. Et à l'issue justement de cet entretien, il y a une proposition qui est faite, donc une étude commerciale qui est faite. Et ensuite, par la suite, un second rendez-vous pour mettre en place les éléments que l'agence propose. Donc, bien évidemment, des solutions adaptées à ses besoins. Et après, vient après justement la mise en place de ces éléments. Est-ce que c'est déjà arrivé que quelqu'un vienne avec une idée en tête et reparte avec quelque chose de totalement différent? Oui, ça arrive très, très fréquemment. Ça arrive très fréquemment dans le sens où, comme je dis... en tant que professionnel, on se doit de guider en fait nos clients. Donc, ça peut arriver que quelqu'un vienne avec une idée, mais que cette idée ne soit pas forcément adaptée à ce qu'il veut. Donc, notre rôle à nous est de conseiller et de répondre en fait à un besoin précis permettant d'avoir des retours sur investissement aux clients. D'accord. Alors, je crois qu'on a... Non, on a un petit problème sur le Zoom. Vous connaissez, hein, c'est les conditions du direct. Des fois, ça arrive, on va mettre la connexion en place et on va pouvoir rejoindre la dame, en plus, qui nous a gentiment rejointe cet après-midi, puisque, bon, on devait avoir un autre intervenant, mais il doit être en train de faire des papiers par rapport à Fiona, comme on sait. On va faire d'ailleurs une émission sur ça, puisque le vent n'a pas été pris en compte. Enfin, il y a beaucoup... de problèmes. Est-ce que vous avez... comment vous vivez, vous? Qu'est-ce que vous en pensez de cette histoire, par exemple, de Fiona qui a fait des ravages? Les assurances ne prennent pas tout en compte. On va faire juste une petite parenthèse, oui. Juste pour avoir votre point de vue sur ce point. C'est vrai que c'est très compliqué. Personnellement, de mon côté, on n'a pas forcément été impacté par la tempête, mais c'est vrai que les dégâts ont été désastreux. Mm-hmm. Pour les habitants de la Basse-Terre. Et c'est vrai que c'est lorsque vient justement le moment de remboursement auprès des assurances, ça peut être très compliqué puisqu'il y a des demandes de factures et forcément, on n'a pas forcément le réflexe de tout garder. Et c'est vrai que ça peut s'avérer être une tâche très, très compliquée. Mm-hmm. Mais il faut s'armer de courage et franchement, essayer de remonter la pente et de faire au mieux pour surmonter, en tout cas, les dégâts qu'a causé Fiona.
Ouais, c'est vrai que c'est pas évident. Pour en revenir à la communication, qu'est-ce que vous pensez? Parce que c'est vrai qu'on parle souvent des choses, se mettre un petit peu, que les entreprises se passent au numérique, que les entreprises aillent bien sur les réseaux sociaux, etc. Qu'est-ce que vous pensez de notre territoire? Est-ce qu'il y a beaucoup de choses à faire? Comment on peut faire pour travailler autrement? Qu'est-ce que vous en pensez avec votre regard au niveau de la communication? Alors, c'est vrai que depuis la période de la première vague de Covid, on a observé au sein de l'agence qu'il y a une forte augmentation au niveau de la communication digitale. Donc, c'est vrai que maintenant, les clients nous demandent beaucoup de fichiers numériques. Même, par exemple, au niveau des faire-part, des cartes d'invitation de mariage, j'ai énormément de demandes de cartes d'invitation à transférer via les réseaux sociaux, via les mails, etc. Mais c'est vrai que en termes d'action, en tout cas menée sur le secteur de la communication, il y a beaucoup à faire. Comme je disais, l'offre, on adapte notre offre à la demande en place, mais les tendances, en fait, en tout cas, sont en train de changer. Les choses sont en train d'évoluer puisque la communication en elle-même, c'est un secteur qui est tout le temps en train de changer. Il faut tout le temps s'informer, se former et s'adapter du coup. Et voilà. Ils sont obligés de partir, nos jeunes, pour être formés en communication? Alors, comme je disais tout à l'heure, la communication, c'est vraiment quelque chose qui est vaste. Lorsqu'on arrive, en tout cas, dans une université où on souhaite étudier la communication, il faut savoir vers quel axe Oui, qu'on parce qu'il y a souhaite par exemple le s'entourner. marketing, ça Voilà, fait c'est partie de ça. la communication, ça, tout ce qui est Exactement. emballage, packaging, on a beaucoup d'artisans. Exactement, exactement. On peut être attiré par du journalisme, on peut être attiré par l'infographie, Ça fait partie de la communication? bien sûr, oui. On peut être attiré par de la relation presse, on peut être attiré par de l'événementiel. Donc en fait, il faut savoir vers quel axe on veut se tourner et à partir de là, choisir les meilleures écoles pour se former. C'est vrai qu'ici en Guadeloupe, on n'a pas beaucoup d'écoles en tout cas qui proposent un large panel en tout cas de formation. C'est vrai que les écoles spécialisées se trouvent plus Les sur la territoires métropole, hexagonaux. voilà exactement, sur Paris, etc. Et c'est vrai qu'il est quand même bien de partir pour s'ouvrir l'esprit, voir ce qui se fait ailleurs, voir ce que les autres proposent, étudier les langues, etc. D'accord. Bon, ben, en attendant de trouver la connexion Zoom, on va vous mettre une petite vidéo parce que comme vous le savez, la route du Rhum commence bientôt. Bah justement, on va en parler parce qu'on reçoit, nous recevons la région la semaine prochaine et c'est une grosse com pour nous, Oui. la route du Rhum. Donc on va passer la vidéo de la route du Rhum et on revient juste après. Anke fait pour paix pour moi. Anke fait pour moi. Anke allez, allez, allez au loin. Traverser la mer bleu, ciel gris, ciel en mer de paix pour moi. Anke fait une maman parti à l'aventure. Alors, avec la papaye, on peut parler pour confit. C'est pour leur projet. Donc, c'est-à-dire qu'on a épluché la papaye, qu'on l'a coupée et qu'on va mettre dans une étuve afin de passer à l'étape de la déshydratation. Et pour la banane, ben, en fait, on l'a épluchée, on l'a découpée et on va faire des chips avec. Je dis que c'est une fierté quelque part parce que c'est un projet qu'on a réalisé ensemble. Et en tant qu'élève, ben, ça va pas encore. Ça va, les temps valeurs. Ceux qui sont au petit monde, ils ont l'ananas, la papaye. Ça va, comme tout ce qui donne, on se prend avoir les produits de chez lui, quoi. On va être trop dépaysé. Moi, je suis en train d'être du sirop pour pouvoir mettre du sirop sur l'ananas. Ça va permettre quand on utilise l'ananas. Et ça va du sirop aussi. Donc voilà notre sirop qui a chaud pour pouvoir sécher l'ananas. La première chose pour eux, c'était le sport qui les intéressait. Comment physiquement ils allaient
que ce chipotel allait venir au niveau voilà, de son énergie à bord, etc. On a commencé à réfléchir sur le projet et on s'est dit, voilà, fruits, fruits séchés, fruits locaux qui regorgent d'énergie et de vitamines. Et on va, pour pouvoir les transporter, les sécher et voilà, et lui proposer en temps et en heure. C'est important d'abord parce que je crois que son projet est intitulé Fête Guadeloupe, donc il fallait aussi mettre en marche les jeunes, hein, la jeune génération sur ce projet-là, et surtout sur le plan alimentaire, on est quand même, nous, enseignement agricole, là, avec deux classes de première et terminale STAV, hein, sciences et technologies de l'agronomie et du vivant, en option transformation alimentaire. Donc, c'était tout cadré. On va également proposer de la poudre de moringa dans les semaines qui vont venir, parce que c'est un produit très énergisant, et donc il pourra s'hydrater également, hein. Il faut manger mais il faut aussi boire, et donc s'hydrater avec du jus de moringa. Voilà, donc ce sont nos jeunes qui accompagnent donc c'est Karl Chipotel qui sera sur le monocoque Pup Guadeloupe et qui va être au départ de la route du Rhum. Donc c'est le lycée agricole de Convenance qui a été séduit par le projet de Karl Chipotel. Son projet, c'est courir pour la Guadeloupe. Et il y a trois classes. La première et terminale STAV et le BTS DARC qui ont choisi d'offrir aux skippers des produits agro-transformés issus de l'agriculture locale. Ça veut dire que notre skipper ne va consommer que des produits. Alors, ils m'ont dit qu'ils lui ont fait du bon carburant. Il aura tout ce qui est produit, boissons énergisantes, boissons énergétiques. Franchement, c'est un gros, gros coût pour notre territoire, parce que ça va permettre aussi de savoir ce qu'on est capable de faire, ce qu'on est capable de produire. Parce que là, c'est un gros coup, on va dire médiatique, hein, pour le coup. Donc, qu'est-ce que vous, en termes de communicante, qu'est-ce que vous pensez de ce genre de projet et quelles sont les différentes choses? Est-ce que ça vous donne des idées, je sais pas, pour produire des produits ou autre chose? Alors, premièrement, je pense que ce sont de beaux projets qui permettent en tout cas aux jeunes de s'initier à l'entrepreneuriat en tout cas, et qui les mettent en avant, qui valorisent leurs produits. Et je pense qu'il n'y a pas mieux que de les immerger en fait dans le monde du travail, comme ça en leur proposant des projets, etc. Et c'est vrai qu'en termes de communicants, oui, ça peut faire émerger des idées, ça peut faire émerger des projets. Et ce sont des choses qui sont vraiment, vraiment très intéressantes. En tout cas. En plus, si ça cartonne, moi, après, je veux la boisson énergisante. Hein, donc, Alors, je crois qu'on a Madame Christelle Diochot au téléphone. Bonsoir. Oui, bonjour. Ah, bonjour, madame. Merci beaucoup de nous avoir rejointes. Merci à vous de m'avoir invitée. Ah bah c'est un plaisir. Franchement, j'ai reçu en plus une collaboratrice à vous qui m'a contactée ce matin. Et ce qu'elle fait, c'est vraiment très intéressant. Donc, je vais aussi essayer de trouver une date très rapidement pour la placer, pour qu'on puisse parler de tout ça, parce que c'est encore des écoles de formation, des choses qui se font sur notre territoire. Donc, c'est très très important. Et elle m'a dit que vous travaillez avec les éco-organismes et avec des collectivités. Est-ce que vous pouvez vous présenter et nous présenter votre entreprise qui est C2D Consulting, s'il vous plaît? Alors, bonsoir. Merci beaucoup de l'opportunité que vous me faites, hein, de pouvoir parler d'un sujet qui me passionne. C'est un plaisir. Donc, moi, je suis Christelle Duchaud et je suis ingénieure en environnement. J'ai donc créé une entité qui s'appelle C2D Consulting, qui se veut être un bureau d'études spécialisé dans la gestion des déchets. D'accord. Nous travaillons depuis 2016 sur le territoire et la grande majorité de notre travail se fait avec des éco-organismes.
Il faut que vous sachiez que les éco-organismes, ce sont des entités qui peuvent être des associations ou des sociétés. Et ces éco-organismes ont pour vocation de pouvoir trouver des exutoires et traiter certains déchets. En contrepartie, vous, en votre qualité de consommateur, vous allez payer une éco-contribution, une éco-participation qui permettra donc la collecte de ce déchet et qui pourra en faire en sorte qu'il rentre dans la grande boucle du recyclage. D'accord. Allez-y. Donc nous, nous représentons près de 8 éco-organismes et nous faisons en sorte qu'ils aient une visibilité sur le territoire. Et c'est pour ce faire que nous travaillons avec l'ensemble des EPCI de Guadeloupe qui ont la compétence collecte et traitement des déchets. Nous travaillons à la fois sur les déchets de type déchets électroniques et électriques, que nous appelons dans notre jargon du D3E. Nous travaillons aussi sur tout ce qui va être les déchets ménagers, enfin non, devrais-je dire les déchets d'éléments d'ameublement, excusez-moi, qui sont en fait pris par les éco-organismes et qui permettent en fait de trouver de nouveaux exutoires. D'autres déchets sur lesquels nous travaillons, ce sont les piles, par exemple. Il faut que vous sachiez que la pile est un produit qui est extrêmement dangereux et qui, lorsqu'il est abandonné dans la nature, peut polluer pendant des centaines d'années les eaux. Et dès lors, l'éco-organisme Corépil que nous représentons met à disposition des commerçants, mais aussi de tout ce qui est déchetterie, des lieux de stockage. Le stockage est complètement pris en charge par l'éco-organisme, ainsi que le traitement. Et pour terminer, nous avons encore d'autres éco-organismes, comme l'éco-organisme sur les panneaux photovoltaïques, avec lequel nous travaillons et qui permet en fait la collecte des panneaux photovoltaïques. Alors à partir d'un certain seuil, hein, mais ces panneaux sont collectés puis envoyés en métropole pour traitement. Et puis deux autres éco-organismes avec lesquels nous travaillons. Un qui est sur la question des déchets d'activité de soins à risque infectieux. Concrètement, il s'agit des déchets qui sont générés par les personnes qui, globalement, et très en général, sont des diabétiques. Donc, ce sont les boîtes jaunes qui sont à disposition des patients diabétiques et qui sont dans les pharmacies. Et puis, nous travaillons aussi sur ce qu'on appelle les MNU, donc les médicaments non utilisés. C'est-à-dire que lorsque vous avez des médicaments, vous pouvez les ramener en pharmacie où ils vont être collectés par un éco-organisme. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Alors, il y a quelques années, je crois, à la Guadeloupe, on avait à peu près 380 000 tonnes de déchets. Est-ce que vous savez si ça se réduit et si comment ça fonctionne ? Alors, c'est un tonnage qui, effectivement, a tendance à se réduire. D'une année sur l'autre, on peut avoir une certaine stagnation, mais ça se réduit. Pourquoi ? Parce qu'autrefois, nous étions sur plutôt des déchets ménagers bruts, qui n'étaient pas forcément, séparés, qui n'étaient pas triés par la population. De plus en plus, nous avons une population qui est réactive, une population qui veut participer, et qui, malgré le fait qu'elle n'ait pas toujours des équipements pour pouvoir aller très loin dans le tri, joue le jeu. Pour information, par exemple, sur tout ce qui va être tri des ordures ménagères, donc il veut dire les bouteilles d'eau, les bouteilles de shampoing, les canettes et puis les bouteilles de verre, nous avons une progression qui est pas aussi exponentielle que nous le souhaiterions, mais qui existe et qui est plutôt encourageante. Pour votre information, il faut que les gens entendent que la gestion des déchets, c'est quelque chose de très difficile, de très spécifique, qui coûte extrêmement cher, notamment sur nos territoires. Et c'est pour ce faire que les éco-organismes ont vraiment leur rôle à jouer et permettent en fait à notre territoire d'être plus respectueux de la réglementation européenne dont nous dépendons.
Et vous voyez, moi, je suis quelqu'un de très, très optimiste. Depuis 2016 que je travaille avec eux, nous avons vraiment une montée en puissance des collectes. Et pour répondre à la question que vous m'avez posée, par exemple, sur comment ça se passe, imaginez que lorsque vous allez en déchetterie, et moi, j'invite vraiment la population à aller en déchetterie, parce que quand vous allez en déchetterie, c'est vraiment l'assurance que le produit va être recyclé. Mmh. En fait, la déchetterie, elle est en lien avec l'éco-organisme qui va venir collecter certains déchets. Et la déchetterie, en fait, est vraiment un lieu où, j'ai envie de dire, l'économie circulaire et le système de recyclage est complètement intégré. En revanche, lorsque vous allez déposer un déchet dans un dépôt sauvage, vous avez 100% d'assurance que le dépôt sauvage, en fait, va être pris de manière globale. Et donc, les produits qui y seront ne seront jamais recyclés. D'accord. Donc, ils sont perdus à la fois pour la planète et à la fois pour la bonne. D'accord. Alors, moi, j'ai déjà reçu M. Jérôme Roch. Peut-être que vous le connaissez. C'est le directeur régional de l'EDEME Guadeloupe. Il nous a expliqué en émission que notre gros problème qu'on a, c'est le retour aussi des déchets. Les professionnels qui font venir tout ce qu'ils vendent dans les magasins ne jugent pas le jeu de refaire partir les déchets, ce qu'ils sont censés faire. Est-ce que vous mettez en place un accompagnement ou est-ce que vous essayez de travailler aussi sur ce point? Parce que du coup, ça nous fait un gros tonnage de déchets qui se retrouvent, comme vous disiez, sur notre territoire. Alors nous travaillons à deux niveaux. D'abord au niveau des entreprises avec lesquelles nous avons signé des conventions. Et dans ces conventions, nous essayons de mettre en place des collectes de certains déchets par des éco-organismes. C'est vraiment un dispositif qui fonctionne bien. On a encore des axes d'amélioration, mais je reconnais que c'est vraiment une des choses qui pourrait faire que les entreprises puissent prendre à bras-le-corps la question du déchet. D'autant plus que quand c'est pris en charge par l'éco-organisme, très souvent, il n'y a pas le professionnel ne paye pas derrière. Je dis très souvent, mais vraiment par, j'ai envie de vous dire, par fainéantise intellectuelle, parce que je crois que c'est jamais qu'il le paye. Bref. Nous intervenons également, dans un deuxième temps, auprès des EPCI, pour pouvoir les aider, les accompagner. Quelquefois, nous essayons dans le maximum de faire passer dans les filières existantes. Quelquefois, ça ne marche pas, malheureusement, parce que ce ne sont pas toutes les filières qui sont mises en place sur la Guadeloupe. D'accord. Donc, moi, je vais dans le sens, je vais aller vraiment dans le sens de Jérôme Roch, hein, que je connais et que, avec lequel j'ai l'habitude de travailler. Et c'est vrai qu'on a une difficulté au niveau des professionnels qui ne connaissent pas toujours la réglementation, qui l'ignorent. Oui, oui. Quand ils la connaissent, ils font comme s'ils ne la connaissaient pas. Oui, d'accord. Oui, plutôt. et en fait, on se retrouve avec ces déchets qui devraient être gérés par les professionnels ou par les éco-organismes, des fois, et qui se retrouvent dans la sphère des EPCI et donc qui sont payés par les collectivités. D'accord, donc vous avez déjà devancé une question sur les filières. Donc tout à l'heure, je vais vous poser une question sur l'emploi. Mais avant, j'ai une question sur les véhicules. Nous avons fait une émission sur la biodiversité où il y avait Madame Gustave Di Duflo. Je lui ai posé la question des véhicules parce que nous avons beaucoup de véhicules sur le territoire. Vous avez vu qu'il y a une crise, nos jeunes montrent à quel point ils savent les déplacer. Donc est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être créer une filière et les payer pour ramener ces véhicules? Est-ce que vous savez où ça en est, puisque elle-même m'expliquait qu'au niveau de la région, ils ont délégué à un organisme qui ne retire pour l'instant que la moitié, 50% de ce qu'ils devraient retirer. Est-ce que vous savez, vous travaillez aussi sur ce sujet, parce qu'en plus, c'est très polluant, et est-ce qu'on ne pourrait pas revendre, je ne sais pas, le cuivre à d'autres pays ou mettre des choses en place sur les véhicules qui sont sur notre territoire? Alors, dans la réglementation, oui, les véhicules sont considérés comme ce qu'on appelle on les appelle des VHU, véhicules hors usage. Il y a en Guadeloupe une association qui a effectivement la mission de collecter, de traiter
c'est vécu leurs usages, mais c'est vrai que nous avons des difficultés pour pouvoir motiver, mobiliser les collectivités et sur ce sujet-là, enfin, pas sur ce sujet, mais pour, sur la, le suivi, la mise en place de la collecte des véhicules hors usage, puisque c'est toute une procédure. Personnellement, je ne travaille pas sur, dans le sujet, mais c'est vrai que ce que je peux vous en dire, c'est que je pense que ça a du sens hein, de pouvoir dire aux personnes, ramenez votre véhicule, on vous donne 50 euros, 10 euros, 20 euros, enfin je ne sais pas. Mais ce qu'il ne faut pas créer, c'est une espèce d'appel d'air qui finalement va aller complètement à l'encontre de la véritable mission, qui est plutôt une mission environnementale. Mm-hmm. Maintenant, effectivement, avec Sylvie Gustave de Duflo, on a eu l'occasion d'en parler, sans jamais aller au bout hein, de la réflexion. Mais oui, il y a quelque chose qu'il nous faudrait faire, développer sur la collecte des VHU. Je crois beaucoup en le volontariat. Mais c'est toujours un peu limite, parce que entre je vais emmener une voiture, je te donne 50 euros, et puis finalement, ça ne pourra pas être tout le temps. Vous voyez, mm-hmm. Ce sont des dispositifs que vous ne pouvez pas garantir sur un temps long. D'accord. Et pour votre question concernant la vente des taux, vente des produits, oui, ça se fait. L'export de déchets est quelque chose qui fonctionne plutôt pas mal. D'accord. Et c'est vrai que les filières, en tout cas, exportent des matières premières secondaires, c'est comme ça qu'on les appelle, en Europe, principalement en Europe à ma connaissance. D'accord. Et dernière question, les filières à développer, est-ce que ça, c'est créateur d'emplois? Puisque vous disiez vous-même qu'il y a des manques aussi pour travailler dessus sur le territoire. Est-ce que vous savez si c'est possible de mettre en place des formations? Si nos professionnels qui s'occupent, que ce soit les chambres consulaires, est-ce qu'elles ont mis en place des formations pour s'occuper de ça? On sait que le RSMA est très actif aussi sur tout ce qui est collecte. Est-ce que vous savez si on va dans un développement économique sur ce secteur d'activité? Alors oui, ce secteur est très pourvoyeur d'emplois. Alors j'ai plusieurs axes que je partagerai avec vous. La première, il me semble, c'est qu'actuellement nous sommes dans une ère d'économie circulaire. Uh-huh. Qui dit économie circulaire, ça veut dire que le déchet doit devenir une ressource. Et c'est pour ce faire que nous travaillons pas mal avec, nous essayons en tout cas de travailler avec des associations, mais je tiens à dire de manière officielle, je le redis à chaque fois que je suis dans des réunions, la professionnalisation des associations est une obligation. Vous ne pouvez pas faire un développement, une économie circulaire, un développement de cette partie de tout ce qui est autour de la ressource et de tout ce qui est autour du déchet sans avoir une professionnalisation de nos associations. Et malheureusement, ce que moi je regrette, en tout cas dans le domaine du déchet que je connais, c'est que nous n'avons pas suffisamment de professionnalisation. Et donc, nous avons du mal à mobiliser nos associations sur des appels à projets ou sur des appels à manifestations d'intérêt. Donc si il fallait avoir une mobilisation, enfin, s'il fallait développer un peu plus la partie déchets, ce serait autour, me semble-t-il, de l'économie circulaire et permettre aux personnes de devenir un professionnel du déchet, mais j'ai presque envie de dire pas forcément du déchet, un professionnel de la ressource. D'accord. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces informations. Moi, je garde précieusement votre contact et je vous assure que je vous recontacterai, puisque cette année, ce serait bien qu'on traite ce sujet aussi pour voir un petit peu comment ça évolue sur notre territoire. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez un petit mot pour la fin? Écoutez, le mot pour la fin, j'en aurai deux. Le premier, ça sera à votre adresse pour vous dire merci de m'avoir invité. C'est toujours un grand plaisir de parler, je vous ai dit, d'un sujet qui m'anime et qui me passionne.
Donc, je peux tenir des heures comme ça. Et le deuxième sujet, c'est vraiment la destination des personnes qui nous ont écoutées et de la population, et de leur dire qu'il faut participer à la gestion du déchet. Surtout, le déchet, ne l'abandonnez pas. Le déchet qui est abandonné, c'est un déchet qui est perdu. Et j'aime bien reprendre cette phrase, « Nous n'héritons pas de la terre, nous l'empruntons à nos enfants. » Alors, pensez à vos enfants et triez surtout. Voilà. Exactement. Merci beaucoup pour votre intervention. C'est très gentil de nous avoir expliqué tout ceci. Nous revenons vers vous. Alors, est-ce que ça vous donne des idées, ça, en termes de communication? Il y a beaucoup de choses à faire. Hein? Oui, clairement. Et puis, l'intervention de Mme Diocho m'a beaucoup parlé, parce que nous, dans le secteur de l'imprimerie, notamment, on a beaucoup de déchets, notamment les encres. Avec le solvant qui est contenu dans les encres, qui est très nocif pour la santé. Mmh. Et ce ne sont pas des choses qu'on peut jeter n'importe où. Il y a différents types de papier qu'on utilise, qu'on ne peut pas jeter dans des poubelles lambda comme ça. Donc c'est vrai que la notion de gestion du déchet me parle énormément. Ben justement, du coup, j'ai une question. Est-ce que pour les papiers, parce qu'on voit tout le temps, quand il y a des soirées, les gens font beaucoup de flyers. Moi, pendant les vacances, j'ai rencontré des jeunes qui faisaient des beach parties, des soirées vraiment, vous savez, qui avaient envie de faire leur communication seulement numérique pour éviter la pollution, justement. Donc, est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous parle, par exemple, de prendre du papier recyclé ou du papier recyclable? Est-ce que vous réfléchissez à ce genre de choses? Alors, je répondrai sur les deux axes, notamment sur le fait que maintenant, on a énormément de demandes vis-à-vis de nos clients concernant justement la communication digitale, donc le zéro papier. Donc, effectivement, tout ce qui devrait être imprimé, ben, se fait sous format numérique, donc il n'y a plus d'impression. Et le deuxième axe serait qu'on ne peut pas forcément, en tout cas, selon le type d'entreprise qu'on a, utilisé toujours du papier recyclé. Notamment, nous, on prend l'exemple de notre agence, on n'utilise pas forcément de papier recyclé par rapport au type de machine qu'on utilise pour l'impression. Voilà. Donc, c'est vraiment un choix à faire. Mais c'est vrai, effectivement, qu'on tend à réduire, en tout cas, la consommation de papier qu'on fait. Soit à reverser justement à des associations, reverser à des associations les chutes qu'on possède, ou parfois il y a des associations qui viennent en acheter ou sinon placer en déchetterie. Voilà. Ah, franchement, c'est génial ça. D'accord. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter pour votre secteur d'activité, pour votre entreprise? Alors, pour résumer un peu ce qu'on disait au départ, j'insiste vraiment sur le fait que l'agence Wicom Carib, en partenariat avec l'entreprise Style Déco, accompagne le client dans son idée projet de A à Z. C'est vraiment de l'accompagnement sur mesure. Le client arrive avec son idée projet et repart avec un produit fini. Tout ça dans la même enceinte. Mm-hmm. Voilà. Donc, j'insisterai sur le fait que on adapte le produit aux besoins du client. C'est-à-dire que le client arrive, c'est pas parce qu'il nous dira, par exemple, qu'il me faut un flyer, mm-hmm, pour une manifestation, qu'on lui dira, bon, ben, en fonction du type de manifestation, oui, il vous faut un flyer. Voilà. Donc, on va écouter, on va vraiment accompagner. Et ça, on le fait depuis, en fait, c'est notre mot d'ordre, c'est vraiment l'accompagnement du client pour améliorer, en tout cas, sa visibilité et permettre qu'il ait des retombées derrière. D'accord. On rappelle le numéro, vous êtes situé où? Alors, on est situé sur la commune de Sainte-Rose et je rappelle plutôt l'adresse mail. Allez-y. Qui est wicomcaraibes@gmail.com. On va afficher aussi le visuel. Voilà. Effectivement, on a accompagné déjà pas mal de clients sur le secteur local, le secteur national. D'accord. Donc, 06-410, en plus, c'est facile à retenir. 300-103. 300-103, exactement. Voilà. D'accord, pas de souci. Vous vous déplacez aussi ou les gens doivent venir vous voir? Alors, ça arrive effectivement qu'on se déplace. Ça fait partie du métier, puisque parfois, il y a des aspects techniques, mm-hmm, qu'on doit avoir avec le client sur place. Et c'est vrai que nous, on aime bien se déplacer pour découvrir un peu l'environnement du client, voir ce qu'il fait. On a accompagné, par exemple, des entreprises
pour ne pas les citer, telles que Poste Douceur ou Créole Food ou Profilage Grande Terre. On a des entreprises telles que AZ46 et bien d'autres qui sollicitent en fait un déplacement, puisqu'il y a des mesures, des cotations à prendre, il y a, quand il faut faire une décoration, un habillage, voilà, il faut qu'on puisse se déplacer. C'est quand même important d'aller dans l'environnement du client, voilà, pour mieux le comprendre. D'accord, bien. Merci beaucoup pour cette intervention. Vous aussi, vous reviendrez pour qu'on puisse parler avec de tous ces sujets. Oui. Un mot pour la fin ? Oui, alors le mot pour la fin, ça serait à destination des jeunes de Guadeloupe, qu'ils croient en leur projet. Mm-hmm. Si on n'essaie pas, on ne saura pas ce que ça va donner. Et puis, surtout, et à destination aussi des futurs clients, des clients qu'on a aussi, lorsqu'on a un projet de communication, il faut s'orienter vers des professionnels. Voilà, pour avoir des bonnes retombées, pour être bien accompagné, il faut s'orienter vers un professionnel. D'accord. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Vous l'avez vu, le lycée commence déjà à travailler sur la route du Rhum. Nous, la semaine prochaine, nous recevons Monsieur Nelson, Monsieur Jean-Claude Nelson, qui va nous parler de cette route du Rhum, ce qui est la région Guadeloupe a mis en place, comment ça va se passer cette année. Ils partent bientôt à Saint-Malo. Ils vont nous expliquer vraiment tout ça. Hein. Vous savez que c'est un événement majeur quand même pour notre territoire. On sait que d'autres départements veulent nous le piquer, mais ils n'ont pas réussi pour cette année. Donc, on le garde encore chez nous pour le moment et on espère que ça sera comme ça. Et ensuite, on va vous présenter quelques intervenants hein, les lundis d'après qui vont participer à cet événement. Mais en attendant, nous vous souhaitons de passer une très bonne semaine. Bonne semaine. Merci Sabine, à vous aussi également. Merci, c'est un plaisir. Au revoir à tous et à lundi prochain.